Previously in coming soon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pourrais te balancer là où tu m'as téléporté, mais tu survivrais pas 5 minutes. Puis j'aurais même pas eu le plaisir de te punir. Oui, je vais te frapper, c'est évident ça. Mais c'est pas ça la punition. Je prends le contrôle de Comic Soon! Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans Comic Soon. Salut, je m'appelle Phil. Oh bordel, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous ici? Salut, je m'appelle Phil. Adrien m'avait demandé de collaborer avec lui dans son émission, alors me voilà. Oh l'enfoiré, il m'a déjà remplacé. Et t'es qui toi? Et il est où Adrien? Pourquoi? T'as un problème avec ma gueule? Ah non, pas du tout, pas la peine de s'énerver. Au contraire, je travaille qu'avec des mecs. La seule femme qui me parle encore, c'est la mienne. Et encore... Ta gueule, toi! C'était quoi, ça? Rien. Sinon, Adrien, il a dû partir en urgence. La couche de sa grand-mère a éclaté dans un magasin, devant un rayon chocolat. Oh, pas cool! Ah si, beaucoup même! Elle a l'adhéré. J'ai une envie soudaine de crème au chocolat. Bon, vu qu'il est pas là, je veux bien un coup de main. T'es sûr que ça va pas l'embêter? 2 secondes. Et si je t'entends encore une fois, tu te la prendras bien dans le... Non mais je vois bien que t'as l'air occupé, tout ça, finalement je peux repasser plus tard. Non non, c'est bon, t'inquiète, y a pas de souci. Adrien il est d'accord. Non mais je pense que je vais te laisser. Tu restes. Oui madame. Aujourd'hui, amis des comics et du cinéma, on va parler de filles et de super pouvoirs. Oh non! Quoi? Je croyais qu'on était dans une émission un peu intelligente! Bah ouais, enfin je crois. C'est quoi cette réflexion? Enfin, un comics avec une fille comme héroïne, ça part mal pour l'intelligence! J'ai comme la sensation que tu vas faire connaissance avec Bob. Qui ça? Phil? Bob. Bob? Phil. Nous sommes en 1959, Fidel Castro vient de prendre le pouvoir à Cuba, la nouvelle vague fait ses débuts en France, l'un des plus grands héros de la bande dessinée vient de voir le jour, Astérix, mais également du côté américain, puisque c'est l'année d'apparition du deuxième Green Lantern, Hal Jordan. Et accessoirement, l'année de naissance de Supergirl. Je dis ça, je dis rien. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Supergirl ne fut pas le premier personnage à posséder les mêmes pouvoirs que le célèbre Superman. Ce qui est un peu le concept du personnage de Supergirl. D'être Superman mais en femme? Exactement. Pour rappel, les super-pouvoirs du monsieur sont vol, rapidité, super-vie, vision thermique... Tout est super chez lui au final. Et tout ça parce que c'est un extraterrestre. La première femme à avoir eu les mêmes pouvoirs fut Lois Lane, et ce à de nombreuses reprises et par de nombreux moyens. Rêves, magie, transfusion sanguine... Clark Kent lui-même fut transformé le temps d'une aventure en une femme, et donc par défaut devint Supergirl. Tout cela dans le but d'apprendre à respecter la gente féminine. Mais c'est complètement débile, comment peut-il apprendre quelque chose s'il est transformé en femme? Tu insinues qu'une femme ne peut rien apprendre? À part apprendre à mettre un tampax pour pas que vous foutiez du sang dégueulasse partout, sérieux? Ben moi par exemple, j'ai appris plein de différentes techniques de torture liées aux parties génitales. Aux parties quoi? Aux couilles. T'as dit couilles. C'est d'ailleurs suite à une histoire de 1958 dans laquelle Jimmy Olsen fit le vœu que Superman se retrouve avec un faire-valoir féminin que de nombreuses lectrices demandèrent à travers le courrier des lecteurs la création d'une Supergirl vivant ses propres aventures. Attends, tu veux dire que les filles lisaient des comics? Ah bah tout à fait! Et elles en lisent encore aujourd'hui. Elles seraient près de 47%. Alors finalement, vous auriez du goût? Intéressant!
Et Mort Weisinger, rédacteur en chef à l'époque chez DC, malin et voulant surfer sur le succès de Superman, dont les ventes étaient élevées, va répondre à cette demande. Mais Wonder Woman, elle compte pour des prunes ? C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. Il est vrai que la célèbre princesse Amazon vivait déjà ses aventures solo à cette époque. Mais depuis le départ de son créateur en 1947, et surtout à cause du Comics Code Authority, le personnage, un peu trop féministe, fut mis en retrait, perdant petit à petit de son intérêt. Mais ceci est une autre histoire. Si tu veux en savoir plus sur l'impact du Comics Code Authority sur les super-héroïnes, je t'envoie vers ce lien, et tu le trouveras aussi dans la description. Une super vidéo avec des intervenants de talent. Mais il y avait aussi le fait que Wonder Woman n'avait tout simplement pas les mêmes pouvoirs et pas le même type d'aventure que Superman. Et qu'elle vendait moins à ce moment-là, beaucoup moins. L'électrice voulait juste... Superman mais en femme. Exactement. Bref, Mort Weisinger confia cette lourde tâche à un grand nom de la bande dessinée, Otto Binder, créateur de Mary Marvel, déjà une copie conforme féminine d'un super-héros, Captain Marvel, appelé aujourd'hui Shazam. Lui-même plagiat de Superman. Et également créateur de Black Adam, sorte de double négatif de Shazam. Tout en étant l'un des architectes de la féminisation dans les comics, il le fut également dans l'univers de l'Homme d'Acier, héros sur lequel il travaillait depuis 1953, puisqu'il en créa de nombreux éléments aujourd'hui encore très présents, tels que la forteresse de solitude, Brainiac, Bizarro, Crypto, etc., etc. Donc, quoi de plus logique que de faire appel à un type expert de Superman pour créer sa version féminine. Ce dernier se mit donc au travail, aidé d'El Plastino pour les dessins. Supergirl est née apparaissant pour la première fois en mai 1959 dans Action Comics 252. Mais tu m'as piqué ma réplique, espèce de sale... Dans cette première version, nous faisons la connaissance de Kara, ayant acquis et vécu sur Argo City, une cité flottant dans l'espace depuis... depuis l'explosion de la planète sur laquelle elle était posée à la base, Krypton. Ça vous dit quelque chose, hein? C'est normal, car Krypton est également la planète d'où vient notre bon vieux Clark Kent. Et ça vous dit quelque chose aussi, n'est-ce pas? C'est normal, car notre bon vieux Clark Kent est en fait ce jeune et fringant Superman. Quoi? Clark Kent, c'est Superman? Bref, suite à une pluie de météorites qui détruit Argo, Kara est envoyée sur Terre par ses parents, Zor-El et Alura, pour être avec le dernier Kryptonien en vie dans la galaxie, Superman, qui s'avère être également, par un heureux hasard hasardeux, son cousin. Pour que Clark comprenne immédiatement qu'il a affaire à une amie, on l'habille comme lui, on la met dans une fusée en direction de la Terre, Argo est détruite et son cousin la récupère. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin presque. Au départ, Superman demande à sa cousine de vivre en secret et de devenir sa botte secrète. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. Craignant que la population réagisse mal à la présence d'une seconde kryptonienne. Ce qui est compréhensible quand on voit de quoi ils sont capables quand ils sont pas d'accord. C'est surtout parce qu'il avait peur qu'elle lui vole la vedette. Ce faisant, cette dernière prend l'identité de Linda Lee, s'installe dans l'orphelinat de Midway et cache ses cheveux blancs sous une perruque brune. Les brunes comptent pas pour des brunes. Et elle obéira sans brancher, même si elle testera ses pouvoirs en secret. Petite coquine. L'apparition de Supergirl fut très chaleureusement accueillie, même si elle ne fut pas une révolution en soi. Supergirl est née au début de l'âge d'argent des comics, c'est-à-dire en plein boom du Comics Code Authority. Et à cette époque, il y avait très peu de représentations de la femme dans les comics super-héroïques, pour éviter toute allusion érotique involontaire. Et si elles étaient malgré tout présentes, elles devaient obligatoirement être mises au second plan. Quand il y avait tout de même une super-héroïne, comme par exemple, prenons au hasard, Batwoman, apparue 3 ans auparavant, elle se battait à coup de sac à main et de rouge à lèvres. Incroyable! Des clichés bien machistes, quoi! Code de merde qui bloqua le statut de la femme à celui de potiche durant des années! Merci, Frédéric Vatam! Espèce de sale... Monsieur aux idées très arrêtées qui entacha de manière complètement injustifiée la réputation de nos comics adorés. Tu viens pas de me censurer, là? Du coup, ces histoires sont très représentatives de cette époque. Elle est l'héroïne cherchant à faire le bien, donnant de sa personne pour sauver le monde, bien sous tout rapport. Personne ne jure, les ennemis sont toujours faciles à vaincre et tout y est très très propre. Jamais de sang, jamais de sexe, aucun dépressif, Supergirl est née dans un monde où tout est soit noir, soit blanc. Enfin, surtout blanc. Pas une seule fois on la verra déprimée sur le sort de ses parents, sa ville natale, ou même sur le fait qu'elle est peut-être la dernière de son espèce.
Supergirl a surtout été créée comme une roue de secours à la série principale Superman. Et à cause de cela, ses aventures n'avaient pas de répercussions sur l'univers de ce dernier. Elle n'était qu'une alliée de plus, non un élément essentiel de sa vie. Et exauçant le souhait d'électrice, elle vivait le même genre d'aventure que son cousin. Toutefois, même si elle reste qu'une copie de son modèle masculin, elle aura véhiculé une image légèrement plus positive. Ces histoires contenaient certes des clichés machistes sur les femmes, mais en moindre quantité et moins grossiers que chez ses consoeurs. Et ça c'est bien! Elle agit durant 3 ans comme botte secrète avant d'être officiellement introduite par son cousin en février 1962 dans le Action Comics 285. Durant les années 60, elle se fait adopter par les Danvers, entre dans la Légion des super-héros, rencontre Batgirl en 1967, d'ailleurs le début d'une longue amitié, va à l'université, vit des histoires d'amour, entre autres avec un descendant de Brainiac, Brainiac 5. Ils sont du genre pragmatique pour les prénoms dans cette famille. Le tout aidé de son chat et de son cheval, doté des mêmes pouvoirs qu'elle. Déjà que le mien fout le bordel dans mon appart comme ça, j'imagine même pas de quoi il serait capable si en plus il volerait en tirant des lasers avec ses yeux. Attends une minute, mais c'est génial comme concept! Dans l'univers de Superman, elle ne restera qu'un faire-valoir propre sous tous les aspects, jusqu'à la retraite de Mort Weisinger en 1971. Sous l'impulsion des remplaçants, Supergirl se modernise. Elle change de tenue, s'émancipe, devient indépendante. La révolution sexuelle en cours depuis quelques années y étant pour beaucoup. 69. Et apparemment ça marche, puisque dès 1972, elle obtient son propre mensuel, qui durera 2 ans. Mais même si elle commence à devenir plus sexy et plus indépendante, apparemment elle est encore trop potiche, trop soumise. D'où la création de Power Girl. Apparue en 1976, cette dernière est également une cousine de Superman, mais d'une terre parallèle, Terre 2, une réalité dans laquelle vivent les super-héros originaux, les créations des années 40. Ça va, tu suis ? Donc une version alternative de Supergirl, très connue surtout pour sa... pousser... Enfin, je pense que tu as deviné pourquoi elle est connue. En contraste avec l'original, c'est une forte tête. Une fille qui fait tout pour montrer qu'elle n'est pas une potiche, alors que tout le monde la voit comme ça. À cause de ça, Enfin, tu vois pourquoi. Personnage qui, du coup, paradoxalement, tout comme la Supergirl originale, est une assez bonne représentation de la situation des personnages féminins à son époque. Donc, de la sexualisation des comics, mais également de la révolution féminine qui a lieu durant les années 70. Après, on va pas développer ça ici. Ah oui, c'est bon, j'ai déjà donné avec Power Girl. Exactement, même lien qu'avant. Qui, je le rappelle, comporte un intervenant particulièrement talentueux et drôle. Supergirl continue de vivre ses petites aventures tranquillement, sans révolutionner quoi que ce soit, de quelconque manière que ce soit. Mais ça marche plutôt bien pour elle, à un tel point qu'elle aura de nouveaux droits à son propre magazine en 1982, qui s'arrêtera également 2 ans plus tard. 2 mois avant la sortie du film d'ailleurs. Puis arrive 1985. L'année où DC a voulu rendre son univers des comics plus cohérent, plus moderne, plus abordable pour des nouveaux lecteurs. Et pour cela, ils ont créé Crisis on Infinite Earths, la crise des terres multiples, un méga crossover. Méga car non seulement c'est un crossover entre les différentes séries en cours à l'époque, mais également avec toutes les anciennes versions des personnages, mais aussi certaines versions alternatives. Tout ça dans le but de rebooter l'intégralité de l'univers DC. C'est pas un truc de ouf quoi ! Et c'est durant cet événement dantesque et historique de la distinguée concurrence que Supergirl eut son heure de gloire, en se sacrifiant pour pouvoir sauver son cousin. Mais elle le fut dans un but bien précis. C'était pas simplement pour tuer un personnage populaire et aimé des lecteurs, non non. C'était à cause du reboot. En effet, il était prévu qu'avec ce dernier, Superman devait regagner son statut d'unique survivant de Krypton. C'est vrai qu'avec les années, le dernier fils de Krypton, ben, effectivement, l'était plus vraiment. Entre Supergirl, Crypto le chien, les habitants de la ville Bouteille Candor, les prisonniers de la zone fantôme, on avait plus l'impression qu'au moment des explosions de la planète, la moitié des habitants étaient partis en excursion dans l'espace. Bref, et pour que Superman redevienne unique, on bute tous les Kryptoniens. Oui, même Krypto. Repose en paix, fidèle compagnon. Par contre, Power Girl, on la garde, hein, parce qu'elle a des... Parce qu'elle a... Enfin, tu vois pourquoi. C'est donc dans la souffrance et des circonstances dramatiques que Supergirl laissa sa marque dans l'univers DC. Comme beaucoup d'autres personnages féminins, d'ailleurs. Et pour honorer son sacrifice, elle fut effacée des mémoires. Quelle gratitude !
Suite à sa mort, d'autres Supergirls apparurent pour lui succéder. La première fut Matrix en 1988, une sorte de métamorphe artificielle créée par un Lex Luthor d'une réalité parallèle. À la fois femme forte et potiche, puisqu'elle a un caractère fort, indépendant, même si elle se fait manipuler comme une ado amoureuse par le Lex Luthor de notre réalité. C'est moi ou ça devient compliqué? Et vu qu'elle est une métamorphe, bah... elle est bien collée. Puis en 1996 apparaît une nouvelle Supergirl, fruit de la fusion entre la Supergirl précédente, Matrix, et une jeune délinquante du nom de Linda Danvers. Encore une fois, une fille forte, mais cette fois on retourne à une version ado. Donc le côté sexy est un peu réfréné, mais pas trop quand même. Hein. Puis Cyr-El en 2003, une fille génétiquement modifiée par Brainiac, l'un des ennemis réguliers de Superman, qui disparaîtra assez rapidement. C'est lors de l'arc Superman-Batman de Jeff Loeb et Ed McGuinness datant de 2004 que Supergirl, Kara Zol, elle, est officiellement réintroduite dans la continuité de DC sous l'impulsion du rédacteur en chef Dan Didio. On revient à la simplicité, elle est de nouveau la cousine de Superman. Bon, après on a quand même encore quelques différences par rapport à l'original. Au lieu d'être née sur Argo après l'explosion de Krypton, elle était déjà une adolescente au moment du départ de son cousin. Elle devait le suivre, mais sa fusée fut prise dans une météorite alors qu'elle était en animation suspendue, ce qui fit qu'elle arriva des années après lui sur Terre. Pour la première fois, nous avons droit à une Kara bien plus travaillée et crédible que ses versions précédentes, apportant enfin réellement quelque chose de plus à l'univers de Superman. Arrivée sur Terre, elle est déjà une icône, un emblème à cause de son cousin Superman, mais elle est également un personnage qui est en recherche de sa voix. C'est une Supergirl à la fois forte et fragile, emplie de doutes, de tristesse, déchirée entre son monde d'adoption et son monde natal. Une ado tourmentée qui, contrairement à son cousin qui a passé sa vie à retenir ses coups, utilise ses capacités à plein potentiel de manière imprudente et donc potentiellement un danger pour le monde. Et là par contre, on y va carrément, hein. Malgré que ce soit une ado tendant plus vers la jeune femme, on la sexualise sans problème. Mini jupe, mini t-shirt, elle est une véritable déesse blonde venue sur Terre. Mais comme la majorité des personnages de DC, elle n'échappe pas au reboot des New 52, dans laquelle on se retrouve grosso merdo avec la même de 2004, à quelques détails près. Dans cette version, les auteurs ont choisi de ne pas raconter d'émouvantes retrouvailles. Au contraire, Superman se méfie de cette jeune fille et Supergirl refuse d'admettre que l'adulte qu'elle a en face d'elle est le même bébé qu'elle tenait encore dans ses bras il y a peu. Elle éprouve à son encontre une certaine hostilité. Elle se méfie de Superman qu'elle ne va consulter que contrainte et forcée. Des relations tendues donc. Et on en profite pour lui coller un peu plus de tissu que sa version précédente. Supergirl est un personnage emblématique qui fut maintes fois réinventé. Née dans une époque sombre pour les comics, dans un but purement commercial, elle n'était qu'une déclinaison de son homologue masculin, et l'une des rares représentantes des femmes dans les comics de super-héros à cette époque. Malgré le fait que ce soit un personnage très unidimensionnel, elle fut très populaire. Elle brille de l'épaisseur, au gré des changements sociétals, mais a toujours été perçue comme un ersatz. Ce fut réellement qu'à partir des années 2000 que les auteurs prirent conscience du potentiel thématique, narratif et symbolique que pouvait apporter ce personnage, devenant petit à petit un élément non pas essentiel au sein de l'univers d'ici, mais tout de même très important. Une coquille vide qui est devenue un personnage complexe et fort, ayant commencé dans l'ombre de son célèbre cousin, pour finir à ses côtés. Tiens Phil, puisque t'es là, tu veux pas conseiller quelques comics ? Avec plaisir ! Quelques conseils de comics si tu désires découvrir Supergirl en bande dessinée. Je te conseille Supergirl, édité par Urban, il y a qu'un seul tome. Bien dessinée, histoire très intéressante, puisque justement c'est dans celle-ci que Kara se méfie de son cousin, donc apportant une nouvelle dynamique. Sinon, si tu désires découvrir sa réintroduction de 2004, qui a été la source d'inspiration principale pour Smallville et la version la plus populaire, tu pourras la trouver tout simplement dans Superman Batman tome 1, édité là aussi chez Urban, et qui a été adapté en long métrage animé Superman Batman Apocalypse. Un incontournable pour les fans de la belle. Pour sa version Matrix du début des années 90, tu peux la rencontrer à travers la saga La mort de Superman. Si tu veux jeter un coup d'œil sur le travail d'Al Plastino et Otto Binder, les deux créateurs, tu peux trouver l'une de leurs aventures dans l'anthologie Superman. Bon, c'est pas la première aventure de Supergirl, mais l'histoire où ils ont créé Brainiac, ça donne une idée de leur boulot. Merci Phil. Supergirl était un personnage très très populaire, à un tel point que c'était la première super-héroïne à avoir droit à son premier long-métrage. Son propre long-métrage, en 1984. Alors au final, il vaut quoi ce film ? Eh ben, tu le sauras en regardant la deuxième partie de cette émission. Tu restes, Phil ? En fait, j'ai pas trop le temps. Enfin, je veux dire, j'ai un gamin, mon gamin à récupérer à l'école. Super !